vraiment là, c'est une désolation parce que nous avons formulé des demandes au niveau des autorités, mais jusqu'à présent, il n'y a aucune demande qui est répondue. Sauf dans le cas de l'UCS. C'est l'UCS seulement qui a répondu à notre demande. Mais pour, dans le cas de l'État ou bien dans le cas du parti au pouvoir, vraiment, moi, en tant que responsable, je considère ça comme c'est un oubli. Quoi, c'est un affront. Vous considérez ça comme un affront? Oui, c'est un affront parce qu'un affront, si on est là en tant que responsable politique et responsable du bois sacré. Et vous n'êtes pas soudonné. Et ailleurs, ils le font. Ailleurs, ils le font. On les entend partout. On les entend partout. C'est pour cela que nous avons eu ce courage-là à formuler cette demande auprès des autorités pour qu'ils soient, ils nous viennent en aide. Parce que vous avez vu la foule là. Nous, en tant que paysans, c'est nous qui prenons la responsabilité de ces gens-là. Comme dans, ici, au Sénégal, il y a dans ce rubrique-là où le gouvernement gère la culture. C'est pour cela que nous avons initié cette démarche-là. Mais jusqu'à présent, je ne sais pas. Mais moi, en tant que responsable de la paix dans ce village-là, je suis désolé.